Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Flash Info de ce mercredi 10 juin sur 224 minutes. Covid-19, le chef de l'État se prononce sur la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. La prolongation de l'état d'urgence sanitaire sera liée aux recommandations du corps médical. C'est ce qui ressort des propos du président de la République au cours d'une interview accordée mercredi matin à un média guinéen. Je ne fais que suivre le corps médical parce que je ne suis pas médecin, bien que je suis le premier soldat dans la lutte contre la maladie. C'est l'évolution dans la semaine et les recommandations du conseil scientifique qui m'amèneront à prendre la décision dans un sens ou dans un autre, a indiqué le chef de l'État. Décès de l'ambassadeur des États-Unis en Guinée. L'ambassadeur des États-Unis en Guinée, son Excellence Simone Nshaw, est décédé dans la soirée du mardi à Conakry des suites d'un arrêt cardiaque. Le diplomate a rendu l'âme à son domicile à la cité ministérielle dans la commune de Dixine. Décès de Pierre Nkurunziza. Le président burundais Pierre Nkurunziza est décédé le 8 juin dernier des suites d'une crise cardiaque à l'hôpital du 51 de Karusi à l'âge de 56 ans. Son décès intervient 3 semaines après l'élection de son successeur Évariste Ndayishimiye, élu le 20 mai 2020. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur la 224 minutes. À bientôt.